Salut à tous, c'est PetitGamer22. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc, toujours sur Farming Simulator 2015 et toujours sur BG Profond version 2.5. Donc, là, c'est la suite. Donc, on est parti avec l'auto-chargeuse. Mettre cette vue-là, comme ça, on voit un peu mieux. Monter un peu le son de mon casque. Voilà. Donc, serrer le virage. Donc on voit les oies à côté et les veaux en face là. Vous voyez qu'il y a beaucoup de fumier chez les veaux, donc on va pouvoir aller le ramasser. Ça doit être pareil chez les cochons. Bon, j'en loupe un petit peu, mais c'est pas bien grave. Allez, pousse-toi. Bon, tant pis pour ça. Ce qu'il fait pas du tout. Sur les gros tracteurs comme ça, c'est le tout petit klaxon.
Donc voilà. On a presque terminé ce champ. Donc j'ai oublié d'endainer là-bas le bord, mais c'est pas grave. Donc voilà, on a terminé le champ. Voilà, voilà, ça dérape. Il y a beaucoup de poids à l'arrière. Donc le silo paraît à moitié plein, mais il est à 15% là. Donc pas grand chose. On va tasser un peu le tas. Voilà, c'est tassé à 100%. 100%. Donc on va ranger l'auto-chargeuse. Puis on va aller donner à manger aux vaches. Tiens, pendant qu'on est à côté, on va aller ramasser les œufs des poules. Vous voyez, elles ont du blé, elles ont de l'eau, donc elles ont tout. Voilà. Bon, je trouve que c'est vraiment bien fait. Cette map est vraiment bien fait. Et en plus, c'est vraiment pratique pour ramasser les œufs, parce que dans l'autre map, dans la map de base, Journalm, ben on était obligé de les ramasser partout dans le parc, alors que là ils sont tous au même endroit. C'est vachement pratique. On va aller ranger le tracteur. Voilà, on prend la mélangeuse. Ben, j'ai encore de la paille. On va aller mettre un peu de paille aux vaches. Enfin, ce qui me reste. Voilà.
Puis on va chercher, enfin, on va leur chercher à manger. Donc en bas là c'est la cuve à lisier, mais moi je me sers pas du lisier. On va prendre l'ensilage déjà préparé. Voilà. Donc voilà. Lever du soleil. Bon, enfin bref, on va arrêter la vidéo ici. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ciao tout le monde et à bientôt.